femmes de toutes nations et origines de l'île de la Tortue, vivant sur le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Québec, déclarons ce qui suit. Nous nous engageons à respecter la grande loi de la paix et le wampum à deux voix, tel qu'établi par les peuples originaux de l'île de la Tortue, en tant que gouvernance officielle de ce territoire, auquel nous sommes toutes et tous légalement et moralement liés depuis l'arrivée de nos ancêtres ici. Ces accords et lois de ce territoire n'ont jamais été respectés par les régimes politiques sous la couronne britannique. Ceci représente la source indéniable de la corruption actuelle et omniprésente de notre société. Toutes les actions présentes et passées, faites au détriment de l'environnement, et toute ingérence envers les peuples originaires sont illégales, et elles vont toutes à l'encontre de ces ententes ancestrales inaltérables. Nous, femmes de toutes nations et origines de l'île de la Tortue, vivant sur le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Québec, réactualisons et honorons la responsabilité légale qui nous incombe à nous toutes et tous, Québécoises et Québécois, en tant que signataires officiels légaux du traité de paix Wampum à deux voix, de dénoncer le non-respect flagrant des relations humaines entre nous. Wampum à deux voix. Nous, femmes de toutes nations et origines de l'île de la Tortue, vivant sur le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Québec, dans la revitalisation de notre humanité, exigeons de la couronne britannique et de toutes les nations du monde qui sont illégalement venues sur l'île de la Tortue qu'ils réparent immédiatement tous les dommages infligés au territoire de l'île de la Tortue et toutes les interférences sur les cultures ancestrales et ses peuples originaux. Nous déclarons revenir au seul processus décisionnel légal existant sous la grande loi de la paix, qui est à l'abri de la corruption et qui représente avec authenticité la véritable voix du peuple, nommée Conseil. Chaque voix est respectée et honorée et toutes les décisions sont prises par le biais d'un consensus basé sur la guidance ancestrale des peuples originaux, permettant l'application immédiate des décisions, corrections nécessaires issues de ces conseils. Comme la reine de la couronne britannique a déclaré comme loi à laquelle elle et ses sujets devraient se conformer, nous nous déclarons maintenant être les sœurs alliées des peuples originaux et ravivons la responsabilité de remplir ces accords et agirons en tant que tels. Nous déclarons que nous choisissons la paix et refusons la guerre. Nous déclarons que nous choisissons la justice et refusons la corruption. Nous déclarons que nous choisissons l'amour et refusons la haine. Nous déclarons notre souveraineté spirituelle, personnelle et collective et refusons toute influence religieuse, soulignant que toute imposition contraire à cette situation serait illégale. Nous déclarons être des donneuses de vie, telles qu'identifiées par les peuples originaux de l'île de la Tortue, et refusons d'être des preneuses de vie. Nous exigeons la protection urgente et la guérison vitale immédiate de notre terre-mère. Nous exigeons l'annulation immédiate de tous les efforts de colonisation actuels et futurs, y compris ceux qui devaient être exportés vers la Lune et l'espace, et la redirection de ces énergies et ressources pour corriger la situation critique de santé de notre terre-mère. Nous déclarons notre dissociation complète de tout effort et ressources nourrissant la guerre, processus immoral, et la redirection de ces énergies et ressources à la restauration de la paix à l'échelle planétaire. Nous invitons à la réparation mondiale de tous les torts résultant des efforts de colonisation britannique sur Terre et sur tous les peuples originaux. Nous exigeons la libération immédiate de toute emprise, de tout type d'emprise sur eux et l'attribution du titre de gardien de la Terre qui leur correspond, et une invitation mondiale à se rallier avec eux pour la stabilité et la paix. Nous, femmes québécoises de toutes nations et de toutes origines, habitant l'île de la Tortue, affirmons qu'il en va de notre survie collective de se rallier à cette initiative de paix à l'échelle internationale. Cette alliance représente le plus beau cadeau que nous puissions offrir à toutes les générations futures, à nous-mêmes et à toute vie sur Terre. Oh! Yeah! Yeah! Very, very, very good. Oh, Hanukkah Diwa Higa Jokwa. We're going to have to bring this to an end now. I hope that you felt the exercise that we just did. This was an exercise. It was an exercise of your power. I hope you understand how this exercise
can become reality, that it must become reality. So, if it's okay in everybody's minds, that we're going to bring an end now to the day. Imagine if we would do that declaration in front of the parliament, the 15th of September, Day of Democracy. And every woman here would bring 10 women with them. Imagine the power that it would give. So we're going to close. Today has been a very powerful day. It's been a life-changing day.